proposer d'appui aux enseignants du centre GMI par la création d'activités génératrices de revenus et leur auto-formation en élevage de poulets, du cerf et jardinage à palmier, de petits de poteau au Togo. Il s'agit de la cérémonie du cours de la première pierre. Donc, je voudrais démarrer cette présentation par trois enfants de l'Union qui nous ont donné une phrase, c'est le droit à la paix. Donc, si nous sommes rassemblés ici présents, nous sommes là pour donner la joie à tous les enfants. Donc, l'UAT, déjà, comme le président l'a souligné, ils sont une association à but non lucratif qui promet des éléments suivants: la santé, la possibilité d'aller à l'école, la formation des jeunes, la formation des communautés villageoises, le soutien des démunis et la protection de l'environnement. Alors, nous allons situer le projet dans le contexte. Aujourd'hui, globalement, plus d'un milliard d'enfants dans le monde souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida. Ces chiffres empilés révèlent qu'en moyenne, 10 000 enfants deviennent orphelins tous les jours en raison de la guerre, des maladies et de la pauvreté. En Afrique, on comptait en 2010 environ 50 millions d'orphelins en Afrique subsaharienne, contre 28 400 estimés en 1990. En 2012, on dénombrait au Togo plus de 160 000 enfants orphelins selon le rapport de l'UNICEF Togo. Et ce nombre croît d'année en année. Donc, dans la région des plateaux et plus précisément dans la partie de Goto, le nombre des orphelins est assez important. On dénombre plus de 10 000. Ceci implique qu'il faut mener des actions pour prendre en charge ces enfants qui sont d'une manière ou d'une autre l'avenir de cette nation. À l'orphelinat GMI, on dénombre déjà 32 enfants qui sont pris en charge à 80% par les différents dons et les 20% constituent des efforts louables des responsables de ce centre, que je salue en passant. Donc nous allons maintenant parler de la genèse de ce projet. Le centre jusqu'à ce jour vit grâce aux dons extérieurs pour subvenir aux besoins des enfants comme tout orphelinat. Donc nous sommes tous d'accord que s'il n'y a pas de dons, ça veut dire que les enfants n'auront pas des lieux nécessaires. Ces dons, non seulement ne permettent pas de faire face à 100% aux besoins des enfants, mais des fois, il en manque. C'est ainsi que les enfants sont souvent renvoyés à l'école pour cause de non-paiement de scolarité, des problèmes de santé non traités dans le délai ou de manque de moyens. Au regard des atouts climatiques du milieu favorable à l'agriculture et l'élevage, lancer une activité agricole couplée à l'élevage sera la bienvenue. Une idée approuvée par l'UAT Suisse qui a accepté porter le projet par les différentes actions, études, montage de projets et recherche de financement. La formation des enfants en élevage et du jardinage est aussi prioritaire au projet. Donc, le projet comporte 5 volets principaux: la construction d'un poulailler d'une capacité de 1000 têtes, l'acquisition des équipements d'élevage, le renforcement des capacités de l'équipe projet sur la gestion de la trésorerie et de la planification, renforcement des capacités de l'équipe projet en élevage de volailles, démarrage de la phase opérationnelle couplée d'un suivi de proximité sur 3 ans. Et cette partie est très importante parce que nous allons accompagner le centre pendant 3 ans pour que le projet soit autonome avant de les laisser tout seul. Il y a également le volet du jardinage qui est un élément également essentiel pour le projet qui sera également développé. Donc, l'objectif que poursuit le projet vise à contribuer à l'autosuffisance alimentaire des enfants orphelins du Togo en général et en particulier ceux du centre GMI à Palimé, ainsi qu'à l'indépendance financière du centre. La SAN est mise sur le poulet de chair d'un cycle de 4 mois et des produits maraîchers d'un cycle de 3 mois. Cet objectif général décliné en outils spécifiques est en lien avec les objectifs du développement du réseau de D. On en trouve 4. L'objectif 1, c'est pas de pauvreté. L'objectif 2, c'est zéro faim. L'objectif 3, bonne santé et bien-être. Et l'objectif 4, l'éducation de qualité. Donc, si nous arrivons à bien construire ce projet, ces objectifs des ODD seront également atteints. Donc, nous avons des objectifs spécifiques liés au projet. Il y a améliorer les conditions alimentaires de nos enfants ici présents, rendre le centre autonome financièrement,
réduire les importations. Si je dis de réduire les importations, ça veut dire que nous ne commençons pas à produire, ce qui veut dire que le centre ne va plus acheter certains des poulets ou bien tout ce qui concerne la partie générale de ses consorts pour pouvoir nourrir les enfants. Donc il y a augmenté la capacité de production de la couverture aussi. Si le centre arrive à sortir, peut-être ça veut dire que la production des produits animaliers de la couverture sera également améliorée de par les activités du centre. Donc les résultats attendus par le projet, donc un poulailler bien construit sera et bien équipé sera disponible. Le centre deviendra autonome. Le centre disposera de l'eau potable également. Les enfants maîtrisent les activités du jardinage et de l'élevage. Il y a la culture, les cultures sont disponibles. 500 têtes de poussins sont acquises pour démarrer. Donc ensuite, nous allons tomber sur la partie de suivi et évaluation du projet qui est constitué en différents lots. Donc les résultats seront, il y aura les résultats du projet, l'échéancier de chaque activité, et les réalisations, les dates de chaque réalisation, l'état d'avancement des travaux, les suivis, l'échéance, les notes sont les éléments sur lesquels tout le corps du projet travaillera pour pouvoir rendre des rapports réguliers aux différents carrières du projet. Donc c'est sur ces quelques slides que je vous dis merci et bon lancement. Nous arrivons sur le point des questions.